Salut à tous, c'est Megiddo. Nous voici donc pour l'année 93 avec donc le premier jeu sorti sur les Tortues Ninja, à savoir donc Teenage Mutant Ninja Turtle 3 Radical Rescue, sorti donc sur Game Boy. Alors, donc voilà, on a Password, New Game, bon, on va faire New Game. C'est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas de musique, hein, on a... Ah voilà, Shape. Là je le découvre, hein, c'est la première fois que j'y joue. Je suis assez surpris déjà que l'écran titre n'a pas de musique. Ah d'accord, là ils font le coup de du premier de l'année, c'est-à-dire... Ah même pas, faut les sauver. On commence avec Raphaël, mais, bah, Michelangelo, il faut sauver les autres tortues. Ouais d'accord. L'idée est pas mal. Ouais, en tout cas, il a l'air vachement amélioré par rapport au premier. Et on a des sprites un peu plus petits et toujours aussi bien dynamé et animé. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Bien détaillé et animé. Voilà. Le problème que je trouve un peu dommage, c'est quitte à devoir sauver les tortues pour reformer l'équipe, ils auraient pu nous laisser un choix des niveaux à la Megaman ou à la Shinobi Game Gear pour ceux qui connaissent. Mais c'est un peu le son parce que je trouve qu'il est un peu fort. Allez hop, on continue. Ah, saleté, viens là. Hop. Et sérieux, je sais pas du tout où sont les autres tortues. Ah, il y a une pizza là-haut. Ah, on a une map. Là, ils nous font du Castlevania carrément. Quand je vois la taille de la meuf, j'hallucine quand même. Ah, raté. Eh, sérieux. Et les ennemis rip-hop, ce que je déteste. Putain, il me reste la moitié de points de vie et... Ah bah ouais, je peux aller chercher plus tard. On va changer de plateau. Ah, sérieux, ils ont essayé de nous faire une sorte de Castlevania à la sauce Tortue Ninja. L'idée qui semble pas mal. Ouais. Mais le jeu reste sympa quand même. Même si je joue comme un pied. Je crois que ça va être le jeu Tortue Ninja sur Game Boy le moins connu. Beaucoup connaissent le premier, un peu le deuxième, alors celui-là. Et j'avance au pif. J'ai où l'eau. Et c'est quoi les points noirs? Bon. On verra bien si j'arrive à aller jusqu'à un fameux point noir. Ah, les chauves-souris, on les croit à toutes trois sorties de Castlevania, hein, y a pas à dire. Fiu, là, bah, je vais monter. Eh, pas mal ça. On peut faire hélicoptère, par contre, on peut pas se défendre. Eh, comment on monte là-haut? Je crois qu'ils nous font le coup, une tortue va sauter plus haut que les autres, etc. Ce qui est pas mal. Et... Eh non, pas de bruit de la version NES, ça c'est énervant. Je sais pas où je vais. Alors moi, il m'a refait une pizza, lui, c'est sympa. Crève-toi. Je rentre ton nez en rond. Ah, vraiment un jeu sympa, hein. Je le découvre, mais pour le moment, j'aime bien. C'est vrai qu'on... Bah, faut dire que c'est Konami qui fait quand même la... Ah, peut-être on en parle là, j'ai 80 points de... Une case noire, voir ce que c'est. Ben là, je change carrément, je passe une grotte à une base. Je suis où là? Faudrait que j'arrive à voir si je peux descendre là. J'arrive où là? D'accord. Ah, désolé de regarder tout le temps le plan, mais je sais pas du tout où je vais donc. Il n'y a pas de passage ici? Comment on fait alors pour aller par là? Mais, enfin, mais c'est quand même assez marrant que le jeu soit carrément entièrement ouvert. Et bien sûr, il y a des endroits, c'est comme pour Metroid, c'est-à-dire il faut vraiment... ça va. Où aller, quoi. Je vais où, là? Ah, peut-être qu'il va falloir que je fasse le tour et que je redescende. Peut-être ça. Ah merde, le con.
Elle va faire des retours, rien qu'on casse les pieds, crève, voilà. Ah, saleté de. Il n'y a pas une pizza dans le coin, hein, saleté. Et comment on passe ça? Là, on peut pas le passer, ça, sérieux. Bah, continuer, ouais. Et on continue, on revient au départ, ouais, d'accord. Il y a peut-être une tortue planquée dans les arbres. Et je crois qu'à tous les coups, pour délivrer les tortues, il va falloir trouver un boss. En tout cas, pour le moment, ce jeu me plaît bien. Je vais peut-être me le faire un C4. D'ailleurs, il faudra que je pense à quand même trouver les 3 jeux Game Boy pour compléter un peu. Vraiment, ce jeu est vraiment intéressant. Hein. Hop, je vais où là? Bah, je vais essayer d'avancer d'aller où je peux réussir à aller. Ah, saleté de chauve-souris, crève saleté. Je crève, voilà, je descends par là. Ouais, ça, je commence à bien anticiper les ennemis. Point, c'est. On peut pas sauter des échelles, ça, c'est un gros défaut. Bah, c'est un défaut qu'on a eu pendant longtemps dans les Castlevania, ça. Le principe de ne pas pouvoir descendre d'une échelle quand on voulait. Je continue à descendre. On va voir si on peut continuer à descendre le plus bas possible. Là, par contre, il y a. Il faut une carte pour ouvrir, ouais! Ils nous font même le coup des portes avec des cartes. Il y a une pizza là-haut. Ah sérieux, si on sait pas où il faut aller, ce jeu devient limite compliqué. Hein. Comme là j'avance au pif et que je. Eh merde, je suis con, je viens de penser à un truc. Pour les pics, pourquoi j'ai pas utilisé le. Ah merde, le con. Je vais essayer de retourner là où il y avait les pics. Oh le con, mais eh, des fois tu demandes à la tortue d'avancer d'un échelon, elle avance toute seule de 3 échelons. C'est énervant ça. Allez hop, crève-toi. Faut que c'est par là. Ouais. Il y en a pas un qui me lâche une pizza. Hein. Saleté. Allez. Il y en a bien qui va me lâcher un truc. Alors là, faut que j'attends. Et passe, que je remonte et que je t'explose. Ah, saleté. Tu sais, j'étais son icon. Voilà, je vais faire ici. Ça devrait passer nickel, ouais. Alors, cette porte-là, elle marche que dans un sens. Et je suis où? D'accord, je vais peut-être pouvoir descendre et essayer d'affronter un boss. Avec 2 points de vie, ça va être chaud, mais bon, on verra quand même. Je trouve qu'on a quand même pas beaucoup de points de vie. Ah, si, on peut quand même descendre une échelle. J'ai dit une connerie tout à l'heure. Oh, le coup des lasers. Et il y avait une pizza de l'autre côté. Ouais, mais bon, j'aurais perdu 2 fois plus de. Bref, ça voilà. Donc là, je suis à côté d'une case noire. On va bien voir ce que c'est bien. J'espère que c'est un boss et qu'on pourra libérer une tortue. Il n'y a rien. Ah, c'est le passage. Ouais, un gros. Un raton laveur. Ah, il m'a eu. Bon, on a moins vu un boss.
C'était une petite découverte comme ça, donc c'est Teenage Mutant Ninja Turtle 3 sur Game Boy, sorti en novembre 93. Ouais, c'est un jeu que je connaissais pas. Bon, c'est un clone de Castlevania Metroidien, mais il est quand même sympa. Ça me donne envie d'y jouer. Peut-être un C4. Ah, j'adore le password 10001. Et d'ailleurs, c'est bien quand même d'avoir mis les passwords, ça peut aider, chercher sur internet. Donc voilà, on se quitte là-dessus. Ça va être une vidéo assez courte. En tout cas, moi j'ai bien aimé, il faudra que je trouve comment on débloque les autres tortues. Donc voilà, on se quitte là-dessus et on se retrouve donc pour le prochain jeu d'année 93, à savoir les trois jeux de combat Fighter Tournament, en commençant par celui sur NES. Allez, bye!